Bonjour, alors c'est Charlotte Vallière-Villeneuve, je suis physio chez PCN et consultante pour Québec Performance. Alors toujours dans la suite de nos exercices pour les lombalgies, les maux de dos, donc je vous présente le pont qui est vraiment une extension des hanches. Donc on va travailler vraiment à venir faire l'extension des hanches sans toujours aller courber dans le bas du dos. Donc on reste un peu dans la même thématique, puis je vous montre une petite progression. Alors on s'installe comme ça sur le dos. Et puis, on va venir faire vraiment l'extension. Donc, on vient lever au niveau des hanches. On ne veut pas que le bas du dos vienne courber. Donc, pas de ça ici. On vient vraiment arrêter ici quand on est au maximum de notre mobilité au niveau des hanches. Si vous avez un élastique, vous pouvez le mettre aussi autour des cuisses pour rendre ça un petit peu plus difficile. Puis, on vient vraiment contracter les fessiers ici. La progression de ça, toujours, on s'en va en extension au niveau des hanches. On contracte les abdos, on garde le dos droit. Et puis, tranquillement, on va venir allonger le genou ici. Alterner. Et puis, on redescend. Donc ça, ça serait une répétition. On peut en faire 2 à 3 séries, 10 à 12 répétitions. L'important, c'est la qualité. Donc si après 6, c'est difficile et puis ça shake, ben, vous arrêtez là puis vous prenez une petite pause. Bon entraînement!